Antoine, tu es pilote sur la Kawasaki Energy Endurance numéro 91. Tu vas partir en troisième pilote. Tu peux nous rappeler ta date de naissance ? Alors, je suis né le 9 octobre 1999. Alors, si on a du mal à calculer, ça fait quoi ? Ça fait 18 ans et pas loin de 6-7 mois. Alors, quelle impression de participer à une grande épreuve que sont les 24 heures moto ? C'est très émouvant, quand, surtout tout à l'heure sur la grille de départ, où il y avait beaucoup de monde, beaucoup de public, avec la Marseillaise et tout ça. C'est vraiment un rêve d'enfant, donc c'est vraiment top. Alors, à 18 ans, forcément, ce sont tes premiers 24 heures du Mans. Donc là, tu es parti pour battre les records de longévité. Est-ce que ça s'est bien passé pendant les essais ? Pendant les essais, tout s'est bien passé. J'ai essayé de rouler à mon rythme, d'essayer de prendre un rythme de course durant le warm-up ce matin. Je ne fatigue pas trop sur la moto. La moto, elle est fiable, elle n'est pas fatigante. Donc on va essayer de tenir 24 heures. Ça devrait pas poser de problème normalement. Et avant de commencer les 24 heures, tu as un passé, tu as dû rouler dans d'autres championnats. Qu'est-ce que tu fais comme championnat ? Alors l'an passé, j'ai roulé en WERC, donc un petit championnat à part du championnat de France, où j'ai terminé deuxième en première année de 1000, donc c'était convaincant. Et cette année, je participe au Promo Sport en 1000, toujours. D'accord, dans l'équipe Energy Endurance 91, tu dois être bien entouré. Il y a des gens qu'on a vus tout à l'heure, comme Jérôme Danton, je pense qu'ils peuvent t'apporter beaucoup de conseils. Ouais, c'est clair. Jérôme qui est quatrième pilote chez nous, donc il a beaucoup d'expérience. Il a fait 6 fois les 24 heures du Mans. Donc c'est toujours des bons conseils à prendre. Donc je vais suivre ses conseils et ça devrait aller. Et après une demi-heure de course, la moto, elle est classée à quel endroit ? Là, on est 36e après le safety car.